Il faut qu'on s'améliore dans la gestion des flux de personnes, il faut qu'on soit vigilant à cela, dans l'information aussi d'incidents qui peuvent se produire dans les transports en commun. Et ça, évidemment, ce sont des domaines sur lesquels nous allons travailler. Quand il y a un incident, il faut savoir le gérer. Et puis, un des enseignements, évidemment, de ce qui s'est passé ce soir-là, c'était la présence d'un certain nombre d'individus qui n'étaient animés que par des intentions délictueuses. Depuis cette finale de la Ligue des Champions, le préfet l'Allemand avait renforcé à chaque événement au Stade de France le dispositif anti-délinquance. Évidemment, j'ai repris la même mesure de bon sens et tout à fait logique. Les enseignements de ce qui s'est passé ce soir-là ont été tirés et évidemment, ils auront vocation à s'appliquer pour les Jeux Olympiques, même si ça n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer une finale de Ligue des Champions avec un événement sportif dans le cadre des Jeux Olympiques. Et d'ores et déjà, nous avons mis en œuvre, évidemment, un certain nombre de dispositions.